Et allez, le départ sans le numéro 12, commenté par Stéphane Coste. Ils sont partis effectivement sans le numéro 12 dans ce prix Normandie Breeding, des poneys de taille inférieure à 1m30, une épreuve de poney B excellence. Avec Small and Mighty, le numéro 1, qui, comme à son habitude, qui a pris un excellent départ, venant s'installer aux avant-postes avec le 4, Cowan's Time Lord, qui vient en deuxième position, tout près de l'animateur. On retrouve ensuite en troisième position Kazakh Munir, le numéro 3, Cosford de Pérouse, qui est une Kazakh vert et rouge, qui vient pour l'instant à la corde, alors que le numéro 16, Princeon Venus, est pour l'instant 4 ou 5e, venant ensuite avec le numéro 9, Superbe du Mafrais, alors que le numéro 7, Cosford de Verasio, se retrouve maintenant en 7 ou 8e position. Ils sont maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite avec Matteo 2S de Vaux en selle sur l'as Small and Mighty qui pour l'instant a le meilleur. Il reste encore environ 300 mètres à parcourir. Mais Cowan's Time Lord avec Arthur Marquez se lance maintenant à son extérieur devant le 16. Brinseon Deus et Liu 2S de Vaux qui est en 3e position. Mais Small and Mighty se relance encore, comptant maintenant deux longueurs d'avance sur le numéro 16, Brinseon Venus, qui refait maintenant pas mal de terrain et peut-être va tenter de venir chercher le numéro 1, Small and Mighty, mais ce sera trop difficile. C'est Small and Mighty qui domine. Matteo 2S de Vaux devant Lilou 2S de Vaux, qui était la partenaire du numéro 16, Brinseon Venus. Le succès revient donc numéro 1, Small and Mighty, monté par Matteo 2S de Vaux, comme nous le disait à l'instant Stéphane Coste. Et sachez donc que les numéros 2 et 12 n'ont pas pris part à la course. Après s'être échappé, avoir fait chuter leur jeune jockey, ils n'ont pas pris part à la course. Mais tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Et nous avons donc un nouveau succès aujourd'hui. Et c'est Matteo Deves de Vaux qui remporte donc cette épreuve en selle sur Small and Mighty. À l'issue des 800 mètres de course avec un tournant, vous le voyez.